si sur un business, je fais un milliard d'euros, ça ne vaudra jamais l'amour que j'ai pour mes enfants. Imo, il les a revendus. T'es né où et quand ? Je suis né à Paris 11e, en 1900 quelque chose. Parce que pour moi, ce qui définit ton âge, c'est ce que tu as vécu. Un mec, il peut avoir 60 ans, il se peut qu'il a rien vécu du tout. Donc pour moi, c'est ta personnalité qui définit ton âge. C'était quoi ton premier mot ? Je pense que j'ai dû dire Sevran. Directement Sevran, la ville, comme jamais. C'était quoi ta passion quand t'étais petit ? Ma passion, c'était le dessin. Et en fait, tellement que j'aimais trop le dessin, ce que la prof, elle faisait, elle me mettait au fond de la classe. Elle me passait au moins 10 ou même 20 feuilles blanches et je te jure que je dessinais pendant tout le cours. Ils écoutaient quoi, tes parents ? Ils écoutaient du Salif Keita, du Diabidoua. Je pense que les Maliens, ils vont directement capter de qui je parle, tu vois. T'étais quel genre d'élève au collège ? Je suis quelqu'un qui bégayait de base, tu vois. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça pour bégayer le moins possible, tu vois. Donc je parlais pas beaucoup parce que j'avais peur que les autres élèves se moquent de moi, tu vois. Moi, j'étais un élève très calme, j'étais dans mon coin, je dérangeais personne. Dessin. C'était quoi ton premier concert ? Le premier concert, je suis en tant que spectateur, je vais te choquer, je suis pas un mec à concert. Le premier concert où je suis allé, c'est le concert de Aurel San. C'était l'année dernière, je crois, si je me trompe pas. T'as fait des petits boulots ? Ce qui est sûr, c'est qu'au tout début, comme n'importe quel gars, j'ai fait des choses dans la rue pour essayer de me battre, pour essayer de truquer. Quand j'ai eu ma fille, j'ai commencé à déposer des CV parce que je voulais vraiment pas nourrir ma fille avec de l'argent sale, tu vois. Donc voilà, j'ai fait des petits boulots, j'ai bossé un peu à la poste. Et le pire, c'est quoi ? C'est que mon bureau de poste, il était à côté d'un lycée. Du coup, dès que je rentrais, bah, les jeunes criaient Daps. Je dis, vas-y, il faut que j'arrête. Laisse tomber. Comment t'as commencé le rap ? En fait, j'avais un cousin à moi, il avait une espèce de platine. Et j'ai essayé de poser un petit truc. Et mon cousin m'a dit, mais c'est lourd de ouf. Et ensuite, on a lancé un groupe à trois qui s'appelait NSR. Négro sans respect, le nom du groupe, il était éclaté au sol. C'était quoi le déclic pour vraiment te lancer ? J'ai rencontré mon producteur Clartoni, voilà. Donc je faisais du rap depuis un bon moment. Mais je faisais pas du rap pour percer, tu vois. Je faisais vraiment du rap par passion. Et il m'a dit plusieurs fois que frérot, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Et que si vraiment on bosse et on l'exploite, il y a vraiment quelque chose à faire. Après un jour, il a vraiment réussi à me convaincre et on a bossé ensemble. Et c'est là où on a vraiment réussi à transformer l'essai avec le morceau Ouloulou, qui a plu à toute la France, je pense. Ouloulou, tu me souloulou, tu m'as fait un coup très tranquille, hi, souloulou. Tu fais quoi comme sport ? Franchement, j'ai essayé de faire du foot et je trouve que j'étais talentueux, hein. T'as vu ? J'aurais pu percer. Frérot, je te jure, je crois que j'ai dû faire dans ma vie cette détection. J'ai jamais été pris, gros. Moi, je pense qu'on me redonnait ma chance, j'aurais été au Real, frère. Parce qu'il y a dur ou pas ? Donc après, j'ai lâché le foot. En vrai, j'ai eu les ligaments croisés, mais pas trop, tu vois. Pour parler français, j'ai été claqué, frère. Je suis nul au football comme le Pérou. De toute façon, gros, je le dis dans un morceau à moi, j'étais claqué au foot. Donne-moi la chicha, je vais faire des ronds. Donne-moi la moto, je vais faire des roues. Je suis nul au football comme le Pérou. Une série, un film à conseiller ? Série, je te dirais Game of Thrones, mais en termes de film, pas. Bah, c'est trop. Franchement, si la crime m'avait pas appelé un album Corleone, j'aurais appelé un album Corleone. Je te le jure. Tu faisais quoi avant cette interview ? Eh ben, j'étais dans les bouchons parisiens et j'étais en train d'écrire un morceau. Tu fais quoi juste après ? Je pense que je vais aller à Sevran. Je vais me poser à Sevran tranquillement avec mes potos. C'est quoi tes prochains projets ? Et là, je vais sortir en mode S et j'espère revenir à la rentrée avec un album, quoi. Donc la mode S, c'est vraiment pour montrer aux gens que voilà, là, je suis en mode speed. Parce que j'ai habitué les gens à envoyer, on va dire, un clip tous les 6 mois et tout. Là, j'ai vraiment activé le mode S. Et donc l'album, il va peut-être arriver, Inch'Allah, à la rentrée. C'est quoi ta plus grande fierté ? Ma plus grande fierté, ce qui est sûr, moi, ce sont mes gosses. Si sur un business, je fais un milliard d'euros, ça ne vaudra jamais l'amour que j'ai pour mes enfants. C'est bon, un milliard ? Imo ! Imo ! Il les a revendus !